Bonjour tout le monde. On vous retrouve, chose exceptionnelle, c'est la deuxième fois seulement pour une fabrication en live d'un savon Mon Ange. J'espère que vous allez bien. On finit de préparer ajuster les dernières préparations. Non, c'est ceux-là. Alors attends, parce que les grands. J'ai mis sur les quels sont les. C'est celui du dessous. Voilà, tiens. On prépare le matériel, on désinfecte. Donc avec la fabrication de savon, le challenge c'est qu'à partir du moment où on fait le mélange. Et ben ça épaissit assez vite, donc après je pourrais pas lire forcément, on pourra pas lire forcément vos messages, parce qu'après on doit travailler assez rapidement, parce que c'est un petit peu comme quand on fait du ciment ou je ne sais quoi, quelle autre chose, ou bon, quand on mélange les deux actifs dedans, ben, ça épaissit. Après ben, là c'est pareil pour le savon, ça panifie à froid. J'ai préparé le moule, et là j'ai mes petits repères, je sais pas si vous le voyez là, mes petits traits qui délimitent en fait les quatre barres, parce que là je vais couler les couleurs en plein milieu. Mais on tournera la caméra quand on sera en train de couler notre savon. Ça panifie à froid, donc fabriqué ici artisanalement, entièrement à la main. Je vous fais un petit tour des ingrédients. Hop. Donc, ici on a l'huile d'olive, ça c'est la fragrance, le parfum. Les pigments minéraux naturels, ça c'est l'huile d'amande douce, donc tout le petit matériel dont on va avoir besoin. Ici dans la marmite c'est les beurre de cacao, beurre de karité, huile de coco qu'on a fondu, et là-bas dans l'évier il y a la soude caustique qui est en train de refroidir, donc on attend que tout soit à la bonne température pour attaquer. N'hésitez pas, si vous avez des questions, on essaiera de les regarder en même temps. Ah bah Louane, il faudrait peut-être que tu... Oui. On est vachement organisé. J'espère que ça va bien pour vous. Et je suis heureuse de partager cette fabrication avec vous. C'est assez rare qu'on le fasse, c'est très très rare. Puisque une fabrication comme ça, c'est beaucoup de concentration pour rien oublier. Parce que c'est déjà malheureusement arrivé qu'un ingrédient soit oublié à la recette, et du coup bah, tout est foutu puisque je ne peux plus le vendre. Donc il faut travailler rapidement, efficacement, et il faut surtout bien être concentré. Merci beaucoup pour vos j'aime. N'hésitez pas à vous abonner si la fabrication de savon vous intéresse, ou de voir des jolies créations vous intéresse. Bonjour à tous, bienvenue. On va vérifier maintenant toutes les températures, et puis quand c'est bon, on y va. Ah bah c'est cool. Comme ça tu vois si... Ah en plus ça... Bah oui, pour une fois que j'ai acheté ce truc-là, on s'en sert jamais. Franchement. Franchement. Je vous fais ça un tout petit peu.
Et... Ah, c'est une huile d'amande douce. Ça sent rien, c'est tiens, d'ailleurs, il faut qu'on sorte les petites boules. Ouais. En prenant les plus anciens d'abord. Mettre les numéros de l'eau sur la fiche de forme. Oui. Question. À part c'est quoi, j'imagine. C'est ta fille. Hein? Je suis pas sa fille. Ah non, c'est pas ma fille. Hein. Ça aurait pu, hein, si je l'avais jeune. Non, c'est mon apprenti, Louane. Mais est-ce qu'il aurait fallu que je t'aie à quel âge? J'ai 17 ans. Bah, oh si, ça aurait pu, 21. Il aurait fallu que j'étais à 21 ans. Ouais. C'est un peu tôt quand même. Mais possible. Okay. Ou pas, probable. J'ai une copine qui a eu un enfant, c'est pas bien. Alors mes fils, moi ils ont 13 et 10 et le savon ça les intéresse pas plus que ça. Hein. 45. J'aurais bien aimé avoir une fille comme vous, Anne. Hein. Elle a des parents, je ne peux pas l'adopter. Hein. C'est peut-être que j'aurai une belle fille. C'est ça. Pour la relève, tu sais, parce que... Le grand, ça n'intéresse pas. Le petit, éventuellement, mais lui, en fait, il préférerait créer son propre truc, tu vois. L'idée de reprendre l'entreprise de maman, bon, moyen. À part éventuellement s'il ne faut pas du tout travailler. Bon. Mais les jeunes, 4.0, je ne t'explique pas. Hein. Tiens. Alors, vous êtes de où? Alors, actuellement, on est dans les Yvelines. Mais on déménage bientôt. On change de région. On va partir dans le Lot-et-Garonne. On part 650 km plus au sud. Donc là, on se protège pour éviter les projections de soude caustique ou de pâte à savon sur la figure.
Et je désinfecte un peu parce que je voyais plus clair. Tout de suite, ça fait plus, plus fashion. Hein. Merde, attends, je suis en train de faire je sais pas quoi là. Ah bah non, bah il n'y a rien de plus. Ah bah oui, parce que tu avais rejoint. Non, mais de toute façon, il n'y avait rien avant. Oh là. Je vais éviter de toucher. Non, il n'y avait rien avant. Merci pour vos cœurs. Je fais de la buée, je vais plus voir. Alors là, soudain. Le blanc, c'est bon. Oui, je vous l'ai bien, ouais. Alors. Et 46, c'est un peu. Quand je suis en train de verser, à tourner un tout petit peu la caméra, que ce soit plus sur après sur le. On y va, tout le monde est prêt? C'est lourd. Après des savons à quoi? Des savons à quoi? Alors on fait plein de sortes de savons. On en fait au charbon, là c'est des savons, comme je disais avant, des huiles et des burns végétaux. Et puis après, du coup, on les parfume, on les colore. Je détaillerai un petit peu après. Alors, les couleurs. Là, je sépare la pâte. Pour les différentes couleurs.
ici, c'est du bleu marine, du violet et du turquoise. On est des expertes de la marise. Les autres. Qu'est-ce que ça sent bon. C'est
Celui-là, c'est sa fragrance, c'est cassis et fraisia. Tu peux tourner la caméra, on va partir en coulage. Je vous fais le récap de tout ce qu'il y a dedans à la fin. Je vais pas regarder les niveaux en fait. Non, c'est pas grave. Tu fais un gros bloc. Hein? Tu fais un gros bloc. Ah, c'est... Bah, faut préciser. Qu'est-ce qu'elle me raconte? Oui, je fais un gros bloc de 88 savons. Et c'est parti pour l'ombrage. Et dedans, on va donc découper 4 grandes barres. C'est pour ça que j'ai marqué, en fait, je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai fait des petits traits sur le papier, là, sur le bord du moule. J'ai un papier, c'est ça dedans en fait pour mettre en dessous. Je me dis à chaque fois, je commence par terre, merci. Et après, on les découpe un par un. Enfin, pour le mélange, on les découpe un par un. Là, je suis un peu loin de mon plan de travail parce que je me suis mis d'une bien sous la lumière et de deux plus près de vous. Vous faites combien de gros blocs par jour? Maximum 2. On va faire des bulles, celui-là. Ben, il fait des bulles parce que je pense que la pâte est un peu épaisse. Dans la préparation, c'est ça. Tiens, Louane, tu peux mettre le blanc dans le. Quelqu'un qui connaît nos produits. Je sais pas pourquoi je les ramène là-bas à chaque fois en fait. La fille qui se complique la tâche. Désolée, là je peux pas regarder vos commentaires parce que c'est le moment critique. Attends, je
copine. Parce qu'après, il y a la fabrication, mais il y a la découpe aussi. Donc, on ne fait pas que de les fabriquer, on les découpe aussi. Donc, par exemple, aujourd'hui, on démoule et on découpe aussi deux autres savons qu'on a fait hier. Et ça prend beaucoup de temps. Tu feras en live? Peut-être, pourquoi pas. Alors le truc c'est que je fais des lives aussi sur Instagram. Ce matin on était en live sur Instagram par exemple. Ce matin on était en live sur Instagram pour justement une découpe. Donc on essaye d'en faire pas mal, mais pas toujours au même endroit. Donc si vous avez Instagram aussi, il ne faut pas hésiter à nous suivre là-bas. C'est Flo Savonnerie aussi. Bonjour. Bonjour, bonjour. Donc là, on va faire notre petit topping. Le topping, c'est le dessin en surface. Après. Que je mélange un peu deux. Mais, ah, je veux bien que tu les racles, ouais, c'est gentil. Et une fois qu'on va avoir fait le dessin en surface, on va mettre des paillettes éco-friendly, et on va décorer avec des petites boules bleues en savon également qu'on a fait par avant. Alors c'est vrai que quand on met les paillettes, ça cache un petit peu le dessin que l'on a fait sur le dessus. Mais comme les paillettes, au bout de quelques utilisations, au fur et à mesure, elles vont s'atténuer, elles vont laisser apparaître en transparence le dessin. Donc en fait, on le retrouve après quand on l'utilise. Allez, on y va pour le topping. Merci pour vos abonnements. Alors, on y va. Attends, je vais peut-être mettre un petit coup de... Hop. Égalisation. Avant, ça fait ça par dessus. Oui. Allez, on y va.
C'est la partie là où vous allez pouvoir voir le résultat tout de suite. Que pour le reste, effectivement, il faudra attendre demain pour voir l'intérieur. On voit bien avec la lumière là. Oui. Ça me fait un peu noir. Hein? Je crois que ça fait un peu noir, mais. Ouais, on dirait du noir, c'est du bleu marine. Mais là, ces couleurs ne passent pas toujours très très bien à la vidéo. Malgré qu'on mette une lumière, mais bon. Ça reste un labo, hein, pas un studio télé, donc bon. On fait ce qu'on peut. Donc là, je vais garder un petit peu de chaque pâte. Quand elle est fluide comme ça, ça en fait pas mal, hein. Ouais. Parce que forcément, quand c'est épais, bah du coup, il en reste un petit peu moins, puisque on n'arrive pas à faire des dessins très très fins. Oui, bah écoute, tu peux couler, alors on va te couler là. Bonjour Création Letty. Très très coloré celui-là au-dessus. Ouais. C'est quel savon que vous faites? C'est le savon Mon Ange. Savon saponifié à froid. Et vous arrivez au bon moment. Parce qu'on va faire le topping de surface. Enfin, le marbrage de surface là, hop, ça y est, je prends ma baguette et on y va. On s'est mis des chansons de Noël, on les entend au loin, hein, parce qu'on ne voulait pas se faire striker le live. L'occasion de vous dire qu'on a des très très belles choses pour Noël, pour offrir, pour épater et surprendre vos proches. Ça donne envie de manger. Hein?
Ah ouais, c'est marrant parce qu'il n'y a pas tellement de nourriture qu'à cette couleur-là. Je crois que quoi que je fasse, on me dit que ça donne envie de manger. Quelle que soit la couleur. C'est vrai que ça ressemble un petit peu au dessin qu'on fait sur les millefeuilles. Ouais. Ça serait sympa des millefeuilles de cette couleur-là. Ouais, ouais. Il faudrait qu'un pâtissier l'invente. On va peut-être faire un partenariat avec un pâtissier. Bon, je vois toujours un peu large dans mes bandes et puis après, je m'emballe à mélanger les couleurs et puis la dernière, elle est plus petite. À la francophone, même si en vrai, bon, les barres sont découpées, donc on va faire un petit effet comme ça, un petit effet wavy. Et si vous voulez apprendre avec moi aussi, c'est possible. J'ai une formation en ligne. Et je vous apprends tout ça. On se ferait peut-être un petit wavy aussi au milieu là. Qu'en dis-tu, Louane? Ouais. J'aime bien. Ça te plaît? Ouais. Faut savoir s'arrêter aussi. Tu vois, c'est ça le truc. Bon, on vous le montre de plus près, après on fait le topping. Vous allez certainement mieux m'entendre maintenant que j'ai plus le casque sur la figure. Hop. Alors attends, parce que là ça va être dur de centrer le truc. Tu vas me dire si c'est bon au retour. Je sais pas si au niveau des couleurs, ça, c'est toujours ça qui est compliqué. Ouais, les couleurs ça rend pas. Hein. Ça rend pas des masses en pied. C'est super sombre. C'est super sombre malgré la lumière. Bon, enfin bon, vous voyez les motifs. Les couleurs en vrai sont vachement plus belles. C'est vrai que le violet et le bleu marine, en fait, on dirait du noir. Et le bleu, en fait, est vraiment turquoise. Il n'est pas bleu, en fait. Voilà. Allez, on continue, parce que c'est pas fini. C'est quoi? C'est du savon. Savon saponifié à froid. Wow, magnifique. Merci beaucoup. Elle est un peu timide, l'apprenti, non? Oh, elle fait, la timide. Mais non, elle n'est pas timide. Discrète. Moi j'aime bien travailler avec des gens calmes, discrets, sinon ça c'est pas compatible avec le savon, les gens qui gesticulent, c'est pas possible. Merci. Alors on se met un petit masque pour pas respirer les paillettes qu'on va tirer. Et des petites lunettes, faut pas se les mettre dans les yeux parce que ça vole un peu quand on les saupoudre. Voilà. Je commence à plus voir grand chose dans mes lunettes non plus, mais bon, ça va aller. Voilà. Donc là, le dessin va quelque peu disparaître. Et puis c'est tellement brillant qu'en plus, en niveau luminosité, après, on voit plus grand chose, mais bon. Ça doit mettre super longtemps à durcir un savon de cette taille. Alors c'est l'inverse. Et oui, parce que en fait la réaction de saponification est une réaction qu'on appelle exothermique. Donc c'est-à-dire que c'est une réaction chimique qui crée de la chaleur. Donc le savon va chauffer, la pâte à savon va chauffer. Et plus la masse est importante, plus ça chauffe. Et plus ça chauffe, plus ça saponifie vite. Et plus ça saponifie vite, plus c'est dur. Donc en fait, plus on fait des gros volumes, plus ça durcit vite.
Après, ça dépend beaucoup aussi de la recette, évidemment. Et ça dépend aussi de l'épaisseur de la pâte, si on l'a beaucoup mixée ou pas beaucoup avant de le couler. Voilà. Mais là, on va le découper demain. On les démoule et on les découpe 24 heures après. Parce qu'évidemment, il faut quand même qu'il soit suffisamment tendre pour être découpé. Fragrance cassis et fraisia, c'est vraiment une tuerie. Elle sent mais tellement bon. On a mis trop longtemps à la poêler, mais franchement, je suis contente. Hein. À la fin, j'ai fait plus grosse paillette, alors elle a du mal. Hein. Nous, on le voit encore en transparence. Je sais pas, vous, dans la... Ah si, c'est bon. Avec la lumière, forcément, les paillettes, ça renvoie la lumière. Donc après, on le voit moins... suivant les angles de vue. Voilà. Alors, je sais pas si vous voyez, mais en fait, il y a plein... C'est pas un filtre, hein. Il y a plein de paillettes. Si vous les voyez voler à travers la pièce. Donc là, on va pouvoir retirer les lunettes, et surtout en fait pour celui qui est juste au-dessus. Par contre, on va garder un petit peu les masques le temps que ça se dissipe un peu tout ça. Alors, maintenant, on va mettre les petites boules. Je vois vraiment plus rien par contre dans les lunettes là. Merci, voilà nos petites boules. On va mettre une par une sur le savon. Mais je crois qu'on va tendre un peu. C'est un peu liquide. On va tendre un tout petit peu. Est-ce que vous avez des questions en attendant ? Alors, où avoir le matériel ? Bah, ça dépend quel matériel, hein. Il y a plein de choses. Alors, oui, j'en profite pour revenir du coup sur la composition. C'est la déco. Oui, la petite boule, c'est du savon, hein, mais c'est pour décorer, oui. La composition, je reviens dessus, je vous ai fait le tour en début de live, mais si vous n'étiez pas là, je vous la refais. Donc c'est du savon saponifié à froid. Donc, je vais dire ça, qu'on m'entende un peu. Donc c'est des corps gras. En l'occurrence, moi je n'utilise que des corps gras végétaux. Et donc on retrouve dans tous les ingrédients donc de base du savon, de l'huile d'olive, de l'huile d'amande douce, du beurre de cacao, du beurre de karité, de l'huile de babassou, de l'huile de coco, what else, beurre de cacao je l'ai dit, bon, c'est tout, j'oublie quelque chose? Non, ça va. Il y a une lessive de soude caustique pour saponifier le tout, c'est-à-dire que la soude caustique va permettre de transformer les huiles et les beurres en savon, donc ça crée du savon et de la glycérine. La glycérine reste dans le savon final parce que c'est un savon saponifié à froid, donc on ne rince pas la pâte.
Le savon conserve sa glycérine, il y en a à peu près 7 à 8% dans le produit fini. Il est également surgras, celui-là est surgras à 6%, ce qui permet de garder des huiles et des beurres non transformés en savon, ce qui permet évidemment d'être beaucoup plus doux et de bien participer à la nutrition de votre peau, à ne pas la déshydrater, surtout quand on se nettoie avec des produits agressifs, en fait on déshydrate sa peau. Donc là ça la protège, ça le rend très doux avec la glycérine. On le colore avec des pigments minéraux, donc naturels. Et on le parfume. Celui-ci, cette fragrance, c'est une fragrance qui vient de Grasse, qui est fabriquée à Grasse par un parfumeur. Et les paillettes sont des paillettes éco-friendly, donc c'est des paillettes qui sont 100% sans plastique. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Les mica paillettes dans la masse, c'est bien. Il vaut mieux le laisser en surface. Les deux. Moi, c'est vrai que j'aime bien avoir une décoration en surface du savon. Donc c'est pour ça que je garde un petit peu de pâte colorée pour colorer la surface. Maintenant, c'est vrai que c'est quand même sympa d'avoir un dessin dans le savon pour le voir quand on l'utilise. Et puis, bon, voilà, ça... Je pense qu'on parlait des paillettes, quoi. Hein? Des paillettes juste au-dessus. J'ai pas compris. Je pense qu'on parlait juste des paillettes. Non, c'était Mika slash paillettes. Ah, ok. Ah oui, d'accord. Donc tu parlais des brillants là sur le... Non, ça se voit pas sur le mélange. En fait, les mica, tout ce qui est brillant, en fait, ça va perdre son côté nacré dans la pâte à savon. Ça va se matifier. Donc du coup, ça va pas se voir. Donc c'est vrai que si je les mets dans le savon, là, les paillettes... comme il y a brillante, on les verra pas. Heureusement, j'ai Louane pour me traduire, parce que ça reste sur la peau. Non, ça reste pas sur la peau. Après, si vraiment, à la première utilisation, mais normalement, on se rince quand même correctement, ça reste pas sur la peau. Ça pourrait être sympa, ceci dit, mais non, ça reste pas sur la peau. Bon, on va essayer de voir si ça... Ça pourra le faire, mais je préfère qu'elle s'enfonce pas trop. Un petit papier. C'est assez délicat à mettre. Tu veux essayer, Luna? Ouais. C'est pas... C'est... Je l'avais fait avec Elodie. Tiens, prends l'autre. Ouais. Et en fait, tu verras que c'est pas si facile que ça en a l'air. Alors déjà au début, on commence, tu vois, à peu près à ça. Tu vois, histoire d'avoir la chute. Surtout pour les premiers. Et en fait, après, bon, évidemment, tu essaies de rester à peu près au milieu. Mais voilà. Et il faut vraiment le placer, tu vois, juste au-dessus, collé à l'autre. Et tu le laisses glisser, en fait. Ok. En essayant, voilà, de ne pas trop mettre ses doigts dans la pâte. C'est un peu compliqué. Rendez-vous dans 88 autres. Il faut pas trop le laisser tomber parce que sinon il va pas tomber au bon endroit. Et comme tu le sais, il faut vraiment qu'ils se collent les uns aux autres. Okay. Donc faut... Deux, pas mal. De préférence, qui tombent du bon côté. Mettre les doigts dedans. Hein. Mmh. On mettra un petit peu de paillettes après. C'est pas facile. Hein. Donc. Les émaux, ils s'enfoncent beaucoup. Hein. En fait, il faut vraiment que tu le mettes juste à ras, tu vois, quand il tombe. Okay. Parce que s'il plonge plus haut, forcément, il va s'enfoncer plus loin. Il faut vraiment le laisser se poser en délicatesse. Vous comprenez maintenant pourquoi il faut quelqu'un de calme. Alors oui, ça peut s'enfoncer aussi si quand tu mets une, tu appuies trop sur l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Si tu t'appuies trop sur l'autre, ça va la pousser, tu vois, façon billard. Ouais. Ouais, si tu prennes
un tout petit peu de paillettes après. Faut bien les saisir, mais c'est plus avec les ongles qu'autre chose en fait. Ouais, c'est vraiment le bout du bouton. C'est ça. On se complique, hein, nous on aime ça se compliquer en fait. Hein. Peut-être vous nous regardez autant que vous êtes là, et puis vous dites, mais pourquoi elles font des savons comme ça quoi. Je veux dire, on pourrait les faire sans couleur, sans boule. Et je n'ai pas la réponse à cette question. Je suis désolée. J'aime trop les trucs créatifs. J'aime trop les trucs. J'aime trop les challenges. J'aime bien. En fait, je n'aime pas faire comme les autres. J'ai la planète Uranus dans mon thème de naissance. Et c'est la planète des rebelles. Je suis désolée. Avec Uranus. Dixit Jean-Yves Espier, célèbre astrologue. Ce n'est pas des moutons. Ah, voilà. On en est la preuve. Je me suis écrase une brebis. Et normalement, si tu les colles bien, bah, tu arrives à en mettre 22. Ouais. Sinon. Mais c'est son espace qui est là. Sinon, t'es puni. si, avec l'espace, il y a 22 qui rentrent. Mais tu me diras, je sais pas si nous rentrer 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Bah non, tu vois, j'en ai rentré que 21. Donc, je serai puni. Vous pourrez me donner un gage à la fin. Bonjour, vous faites quoi comme travail et c'est quoi? Bah, comme ça, je vais pouvoir répondre. Et coucou, c'est quoi? Bah, je vais pouvoir répondre à vous trois en même temps. Il s'agit de savon artisanal saponifié à froid. Et moi, je suis Florence et je suis artisan savonnière. Vous savez tout. Donc là, on vient de faire tout le savon live. On est en train de le peaufiner. Du coup, dedans, vous faites environ 85 savons. Oui. Si on se débrouille bien, on en fait 88. Mais... Pour celui-là... Bah, pour celui-là, c'est plus du coup... 85. Ouais, 84-85. Après, ça dépend si on arrive à... Enfin, voilà, si les entames sont assez esthétiques ou pas. J'ai plus de boule. Ouais. Tu m'en donnes? Non, pas au-dessus du savon parce que si on fait de l'ouf. Merci madame. Donc après on va le couvrir. Je vous montrerai de plus près. Il faut faire attention aussi à sa manche parce que ça c'est traître. Mmh. La manche. En même temps, on est obligé d'avoir des manches longues pour se protéger parce que quand on travaille avec la soude caustique, c'est dangereux. Mais en même temps, il faut faire attention. Je tourne de manche. Je dérive. T'as dit quoi? Je dérive, je suis plus au milieu. Ouais, mais c'est pas grave. Franchement, tu t'en sors bien. Du moment qu'ils sont bien collés les uns aux autres, oui. Parce qu'après, on est en kikiné, ils font pas le bon poids. Mais non, là, tu t'en sors bien. Je crois pas que j'en ai fait 22 encore. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Mais je me demande si on en fait vraiment 22 ou pas d'habitude. On a des grosses entames. Ouais, c'est bien ce que je me disais aussi. Attends, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. Ouais, mais là, on peut en rajouter un. Ben, il est un peu short. Une plus petite. on va la mettre... en fait, on va la mettre comme ça, tu vois. Parce que le problème, c'est que si je la serre trop à l'autre, ça va... Ouais. Mais là, tu vois, on arrivera à couper entre les deux. Il y a le son en fait. Je me disais, c'est qui qu'on entend là-dedans? Mais c'est nous.
Oui, parce que t'as pas dû couper le son. Tiens, je te rends tes boules parce que comme c'est pas le même lot. Non, si, c'est le même. Mais... Ah, c'est le même, hein? Allez. Je serais pas fini. Il y en a 22? Ouais. Purée, j'aurais pas dit. J'aurais pas dit parce que t'as vu là, il y a vachement d'espacement. Bon, j'ai remis début, on est pas. Ouais, je remets juste un tout petit chouïa de paillettes parce qu'on a un peu. Juste un tout petit chouïa. Bah écoute, bravo Louane, la prochaine fois je te laisse tout les mettre. Bon, la prochaine fois c'est peut-être dans quelques mois, mais. Comme on déménage. On déménage en janvier pour avoir un labo beaucoup plus grand. Mais qui pour le moment est une grange. Donc voilà. Ça fait rêver, vas-y comme ça. Ça fait rêver, hein. Non, c'est en fait. Voilà, je vais vous faire rêver. Parce que je sais que vous voulez rêver. Hein. C'est une superbe grange, magnifique, qui date du 19e, en pierre, pierre apparente. Et on va avoir une savonnerie qui va faire plus de 100 mètres carrés, nichée au cœur de la nature, dans des arbres, au cœur d'arbres centenaires. Voilà. Donc si vous êtes, dites-moi, si vous n'êtes pas trop loin du Lot-et-Garonne, donc le 47... Dites-moi. C'est grave stylé comme métier. Bah merci, écoute, franchement, pour une fois que je suis stylée, écoute, c'est vraiment avec beaucoup de bonheur que j'apprends ça. Du coup, là-dedans, vous faites environ 85 savons. Oui, ça, je l'avais lu. Oui, vu qu'il n'y a pas 22 boules en longueur. Bah oui, parce que des fois, les boules, ça rentre pas. Hein. Avez-vous fait des savons sur le thème de Noël? Oui. C'est la deuxième année, j'ai créé l'année dernière un savon avec une recette spéciale pour Noël, avec une fragrance à la cannelle, parfum cannelle un peu gâteau. C'est pas cannelle vraiment épice, c'est vraiment cannelle gâteau. Et il est vert, avec de l'oxyde minéral vert. Et il y a plusieurs formats, alors déjà il y avait des sapins, mais il n'y en a quasiment plus. Il reste des bûchettes qui sont magnifiques, que je vous avais montré en live aussi ici sur TikTok, la fabrication. Il y a des images sur ma page. Et puis on a les pains comme ça, hein, de Noël, avec cette fragrance. Avec à la place, au-dessus, c'est de la paillette, mais dorée. Ils sont trop beaux, ils sont super bons. Il écrit Joyeux Noël. Et ils sont tamponnés Joyeux Noël. Bah oui, tu vois, elle est discrète, mais elle intervient vraiment, elle est pertinente. Pertinente, parce que franchement, c'est un peu mon deuxième cerveau. Je sais pas comment je vais faire quand ça sera plus là. Hein. Voilà. Donc, tu as mon site en bio, si ça t'intéresse d'aller voir. Il y a des coffrets aussi. On a des paillettes plein les mains. Et je vous montre de plus près. Encore une fois, au niveau couleur, ça va pas être ça, hein, franchement, clairement pas. Surtout avec les paillettes, là, le brillant, ça rend tellement mal. Mais bon, si vous voulez aller voir des vraies photos de ce savon. Ah ouais, c'est vraiment pas beau en fait, hein. Quand, vu comme ça, ça rend vraiment pas. Hein. Ah ouais, mais bon. Là, il fait un peu peur. Ah ouais, là, il fait peur, franchement, on dirait un savon d'Halloween, là, en fait. Ouais, je vous invite à aller voir des images sur le... Sur ma boutique, vous verrez que les couleurs ne sont pas du tout comme ça. Là, les paillettes, c'est juste une catastrophe pour les filmer, en fait. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, voilà, il reste ça. Des volontaires pour venir faire la vaisselle. Louane. Louane, il n'y a que toi, je suis désolée. Donc, on va le couvrir avec son joli couvercle en bois. Donc, ça, c'est... On parlait matériel, ça c'est du matériel de chez Bull & Maille. Il y a les menuisières et les savonnières également. Et donc
les fabriques et vous avez en plus une réduction de 5% si vous mettez le code FLOW, F-L-O-W, Académie IE 5. Voilà, 5% sur tout matériel grâce à mon petit code de la FLOW Académie qui est ma formation. Et maintenant, on va vous faire un petit peu d'ASMR. Voilà. Ouais. On va les couvrir pour qu'ils aient bien chaud jusqu'à demain. Voilà. Donc on va le mettre dans un petit coin là. Voilà. Il n'y a que ça, des petits coins ici, donc en même temps, on ne va pas trouver des grands coins. Et on va ranger, nettoyer et puis. Et voilà, on a chaud, hein. Moi excuserai, je mets pas de filtre, je mets jamais de filtre pour que vous voyez les vraies couleurs des savons qui au final ne sont pas vrais. Donc au final je suis toute rouge parce que j'ai chaud. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et puis on reviendra vous faire des petits coucous pour des prochains savons. Bye bye tout le monde.